épisode numéro 4 dans la mini-série Lavelage. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, épisode numéro 4. Qu'est-ce qu'un arrêt cuve pleine? Alors, avant, c'était une option qu'on trouvait, je le sais, à 10-15 ans, directement sur les panels des lavelages, et maintenant, c'est devenu une option un peu cachée. Donc, en fait, quand vous avez votre option essorage, quand vous allez tout au bout de votre essorage, vous faites par exemple 1600 tours, 1400, 1200, 1800, 600, 400, et puis vous avez avant zéro un petit dessin d'une cuve remplie. Ça, c'est l'arrêt cuve pleine. L'arrêt cuve pleine est une option absolument géniale, pratique, trop peu utilisée. Je vous donne un exemple. Vous levez à 7h du matin, vous mettez une machine en route. Elle aura terminé vers 9h, 9h30 selon le programme. Vous allez rentrer vers midi. Alors imaginez, pendant 2h30, le linge va rester essoré dans le fond et pourrait avoir une odeur un peu désagréable. Rien de plus simple. L'arrêt cuve pleine, elle va laver, elle va rincer et en fait va s'arrêter à la fin avec de l'eau propre pleine d'eau. Et en fait, elle va vous attendre. Le linge reste dans l'eau propre. Que va-t-il se passer? Quand vous arrivez, la machine est donc pleine d'eau, vous désenclenchez la récuve pleine, la machine va vidanger, va essorer et entre 12 et 15 minutes après, votre linge sort essoré frais. Alors, vous allez me dire, la différence entre pré-lavage, mais le pré-lavage, comme dans l'épisode numéro 1, ça se passe avant le lavage, le trempage se passe pendant le lavage et la récuve pleine, c'est à la fin, ça évite de retrouver son linge complètement froissé en bas dans le tambour de votre lave-linge. Franchement, cherchez un peu, c'est hyper pratique si vous avez tendance des fois à oublier un peu que vous avez mis du linge en route dans votre lave-linge. L'épisode numéro 5 avant-dernier de cette série sera consacré à l'essorage en soi, voir si 1600 tours, pourquoi faire? Merci à toutes et tous de nous suivre aussi nombreux pour cette mini-série Lavelage. Ça nous fait super plaisir que vous nous suiviez pour les vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !